tout le monde, c'est Femouf, écoutez, voilà, après presque 4 heures de montage, extrêmement compliqué, je précise. Nous voici donc ici pour le Lego Star Wars UCS, donc c'est un MOC EF-76 Nebulon B, frégate médicale, donc escorte. Faut savoir, donc bon, en l'occurrence, ici c'est une contrefaçon qui vient d'AliExpress, je n'ai pas d'autre choix, je ne sais pas comment développer, ça m'aurait coûté un pont. Faut savoir avant tout, c'est que le montage, bon, ce sont donc des Lego chinois, mais c'est, regardez bien, on dirait vraiment des vrais Lego, je ne défends pas la contrefaçon, loin de là. C'était le seul moyen d'obtenir rapidement et efficacement sans devoir coûter débourser un pont. Surtout que j'avais téléchargé les instructions en LXF, donc sur Lego Digital Designer du créateur, et c'était juste incompréhensible. Parce que ce programme, il fait des instructions vraiment space. Et donc, sinon, du Lego, le montage est extrêmement compliqué pour cette partie-là. Ça, c'est beaucoup plus facile. Sinon. Il est très beau, il est très grand, il est imposant, c'est magnifique. Mais le problème du montage, c'est que parfois, vous avez sur une étape, vous avez, je vais dire, la pièce qui se met là. Et celle-là, en fait, elle tient dans le vide. Exemple, il y a beaucoup de problèmes dans ces pièces à l'intérieur là. Donc sinon, il est fourni avec Han Solo, un droïde médical, R2-D2, un autre droïde médical qui, bon, normalement, devrait avoir un torse, mais bon, voilà. Luke Skywalker, C-3PO et la princesse Leia. Ici, une étiquette Lego Star Wars, donc EF-76 Nebulon B, fabriqué par Quad Drive, qui mesure 300 mètres, enfin... Vous voyez le topo. Il est vraiment très bien. C'est vraiment dommage que Lego n'ait pas commercialisé parce que sur Lego ID il avait comme eu les 10 000 votes. Donc ici on a un micro Faucon Millennium qui est à l'échelle. Hein. C'est la scène de l'épisode 5 où il s'en va. Franchement c'est juste magnifique. Sinon le présentoir est très beau. Il repose bien sur ses deux pieds. Il est très solide. Regardez, vous pouvez le prendre en main. Enfin, vous pouvez le prendre en main. Il vient tranquillement. Il est beaucoup plus lourd là que là. Hein. Donc c'est pour ça que le pied est plus renforcé ici. Donc attendez, je vais bouger les personnages pour que vous fassiez un petit peu le tour du vaisseau. Ici à l'intérieur ça s'ouvre, mais bon c'est assez fragile, mais ça s'ouvre, on a juste une chaise et un truc médical. Ici c'est pareil, on peut ouvrir un petit peu et on a un petit conteneur qui est caché, mais rien de très intéressant. Hop, donc regardez bien. Ici à l'arrière on a donc 2, 4, 6, on a 7 réacteurs. Attendez, je vais essayer de ne pas accrocher le bazar. Voilà, ça vous avez vu un petit peu le tour, c'est, le vaisseau est symétrique de toute façon. Et si on regarde par rapport à l'avant du vaisseau, voilà, on a donc voilà un petit peu à quoi ça donne. Oups, donc ça s'est mal mis. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo Lego, enfin moi je dis que c'est du Lego quand même, mais bon, peu importe. Vous avez plu, donc sur ce, ben, prenez soin de vous, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, je vous dis, ciao, bye.